tout le monde. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale. Alors, on va faire la détection de métaux. Ouais, je vais faire la détection de métaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a un détecteur, je vais vous montrer après. Et puis, on peut trouver de l'or, du bronze, des pièces, plein de choses très intéressantes. Mais où c'est beaucoup de grosses merdes. Alors, voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour faire la détection. Alors, il faut un détecteur. Voilà. Barre-toi. Une pelle pour creuser et une sacoche pour ranger nos trouvailles et les chenilles aussi, la grosse merde. Aussi des écouteurs, pas pour écouter la musique, hein, mais pour mieux entendre le son. Mais ça, c'est pas obligé, mais je préfère. Voilà, je vous montre de plus près. Non, mais. Et puis il faut aussi des habits pour se salir, pas forcément des habits militaires. Et des habits qu'on peut les salir et comme ça. Hein. Et puis des chaussures de marche. Voilà. C'est parti. Et il y a aussi, j'ai oublié quelque chose, il y a aussi des règles à respecter. Alors quand on fait des trous dans l'herbe et tout ça, bah, on doit reboucher les trous. Et aussi, surtout, le plus important, avoir l'autorisation du paysan. Et je suis avec ma soeur et son notre beau-père. Ouais. Dab. Les grands militaires. Le plus grand au monde. Non, même pas. C'est l'idée. Ouais. C'est quoi cet habit? Les écouteurs sont allumés. Hein, ils sont allumés? Non. Les allumer avant. Pas une pro. C'est trop près. Trop près de quoi? De le tien, oui. C'est trop près. Ah, le bruit, c'est horrible. Ah, il a capté un truc. Et puis... Oh, Yasmine! Alors là, j'ai trouvé quelque chose. Oui, j'ai trouvé, j'ai entendu un bruit qui sonnait bien. J'espère que c'est pas de la merde, hein. J'espère que c'est un bon son. Tu vois, j'ai fait des mini-trous derrière mon cul. En gros, le truc, il a encore bien. Alors maintenant, bah, il faut reboucher les trous, pas besoin de faire avec la pelle, hein. On fait juste avec les pieds. Voilà, il a fait bien. Cette pierre sonne. Je sais pas, mais elle sonne. Elle sonne du,
du aigu, c'est pas une pièce. Eh oh. Et ben voilà, une jolie petite bague. Alors c'est bon, il y a un bon son. J'espère que ça sera un bon truc. Purée, c'est chiant, il y a des cailloux en dessous. J'ai la peine à creuser parce qu'il y a des gros cailloux et ça me... J'ai oublié de creuser un truc. Ah, c'est un bout de temps. Je vais prendre ma brosse à dents. Bon, pas se bronzer les dents, ça donne pas envie, il y a plein de poussière. C'est pour effacer ça. Je sais pas si c'est en argent ou en fer, je crois que c'est en fer. Je crois que c'est en fer. Enlève. Alors, j'ai trouvé quelque chose. Ouais, j'ai rien trouvé, qu'est-ce que je raconte, je suis imbécile. Alors, j'espère qu'il y a un truc intéressant. Bon, l'autre c'était assez intéressant, un bouton. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y avait pas de dessin. Alors, on va voir. Hein. Oui, ça, qu'est-ce que c'est? C'est... Moi, j'appelle ça le pistolet, mais ça s'appelle le pinpointer. Alors, c'est comme un détecteur, mais en mini. C'est pour trouver les trucs. Ah non, ça, c'est magique. Non, ouais. What, c'était quoi? Ok, un tout petit bout de chenille, voilà. Et attendez, on voit rien. Attendez, je vais l'éteindre. Non, je l'ai fait tomber. Là, on va changer d'endroit pour des nouvelles recherches. À toutes.